Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist. Aujourd'hui, c'est encore un petit niveau chronométré que nous sommes bien sûr dans la base de Murray. Je vous rappelle que ce n'est quasiment à la dernière. Oups, j'avais. Oui, j'ai un peu checké. On est quasiment à la dernière, il me semble même la dernière mission. Et on doit donc passer ce niveau en moins de 10 minutes. Il faut aller ici. Donc j'ai un peu checké. Ça m'a pas l'air hyper complexe compte tenu de certaines autres missions qui étaient beaucoup plus dures. Après, je dis ça, je peux très bien ne pas avoir tout enregistré et tout avoir compris et me dire ah oui, mince, j'avais pas pensé à ça. Donc, c'est clairement possible, mais on va quand même y arriver. Ça risque d'être sympathique. J'espère que bah, la dernière fois que j'ai fait. Eh bien, le truc chronométré, j'ai réussi à la faire le premier coup, donc j'étais tellement étonnée. Je m'en suis même pas rendu compte, tout ça, donc c'était canon, donc j'espère que ce sera pareil pour celle-ci. Du moins, ce serait cool, quoi. Allez, on est parti, du coup. Bah, première possibilité, on va déjà se planquer ici. Je vais Perçu. demander, tu vas tout de suite défaire ça. Oui, hein, tu t'électrocutes pas, hein, Lobco. Au travail. Ouais, parce que lui, il est un peu bête sur les bords des fois. Tu vas aller là, Ça va barder. tu vas aller là, et tu vas aller là. Logiquement, on devrait être bien pour ce début. Et après, il va falloir fermer la porte, mais j'attends de régler certaines choses, comme avec lui ou avec lui. Voilà. Normalement, on est bien. Oh la vache. Oh la vache, ils sont en train de revenir. C'est tout juste Auguste. Parfait. Ouais. Alors, viens vite là. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ils sont déjà safe ici, maintenant. Lui va se pointer, il va jusque là. Lui, il est, on peut le foutre par terre, mais en fait, ce qui m'aurait intéressé, c'est de mettre lui en hors d'état de nuire. Pour ça, il faut que je le bloque. Le souci, c'est qu'il y a lui qui arrive à chaque fois. Bah, écoutez, on va devoir laisser passer un temps. Bah ouais, c'est bête, mais. On va devoir laisser passer un temps. Ah, puis ça enregistre là, ça a raffermé. Donc ça lui repart là. Il faudrait. Que tu ailles le foutre par terre. Voilà. Je suis prêt. Voilà, la porte est fermée. Là. Ok. Je sais. Tu peux venir activer ça. C'est quoi le topo? Et là, mon petit, tu vas te tenir prêt. Ça ouvre ici. Ouais, tu peux venir. Ce que lui, il va faire. Le petit bug-porte! Alors, c'est pas grave, j'avais un mannequin écho, mais j'en ai déjà un. Donc. Comme ça, lui, c'est réglé. Pendant ce temps-là, tu peux ouvrir ça. Ce sera cool. Ah ouais, dis donc, il y a la caméra qui est juste là. Bichette. Alors, je sais même pas, j'ai même pas regardé si elle pouvait se faufiler. J'ai pas du tout regardé s'il y avait des trucs d'aération. Logiquement, il devrait en avoir partout, hein, on est quand même dans un sous-marin. Mais bon, j'ai pas l'impression que. Ah si, il y a là. Il y en a un ici. Il n'y en a pas des masses. Hein. Il y en a clairement pas des masses. Mais c'est pas très très grave. Ici, on n'a pas besoin. Ouais. Ah si. Ah oui. Oh bah tant pis. Non, c'est pas grave. On a réglé le truc. Bishop, il va rentrer à l'intérieur. Tu veux ça, c'est quoi? Terminal de caméra. T'as pas d'aimant, par contre. J'ai pas d'aimant nulle part. Donc tu vas pouvoir faire la caméra. Tu vas pouvoir ouvrir ça. Et ça, on s'en fiche un petit peu. Ok, bah, c'est déjà bien. Et on aura tableau de distribution. Technico, pareil. Écoute, je te laisse faire. Lui, il est enfermé. Lui, il est par terre. Donc, normalement, c'est Salut.
Sachant que le tableau de distribution. Ah, mais non, bah ça sert à rien. Bon, oh, bah écoutez. Toi, tu vas le supprimer. Ah, non, c'est comme ça. Parce qu'en fait, ça va faire ouvrir ça. Donc, c'est connecté en fait les deux. Donc, j'ai fait l'un pour l'autre, mais c'est pas très très grave. On va pas se plaindre, hein, comme on dit. Lui, rappelle-moi, mais pas au point de fer. Il résiste pas au point de fer parce que là, il y a un safe. Donc, ce serait cool d'aller le choper. Il faudrait que toi, tu te débarrasses. Bon, là, du coup, on a accès ici. Je sais pas comment je pourrais faire. Sachant qu'il faut qu'on doit aller là, plus là. Et puis, il faut qu'on ouvre. Ah ouais, ah oui, d'accord. Ouais, mais à chaque fois, il y a une porte. En fait, ça, cette porte-là, elle ouvre cette porte-là. Et en fait, ouais, d'accord. Une fois qu'on est dans le truc, on peut... Bon, il y a juste toutes les caméras qu'il faut désactiver. Donc ça, par contre, c'est un peu obligatoire. Oui, ça, je l'avais pas vu. J'ai checké, mais j'avais pas vu. C'est pas très, très grave. En tout cas, on a accès ici. Loco, tu peux venir défaire ça, du coup. Attendez. C'est grelier. Ouh, ouais, là. Je me dis que c'est vraiment nécessaire. Attention, il y a les cams, hein, donc on va pas trop tout faire. Je pense surtout qu'on va aller s'occuper. Là, c'est ce truc-là. Et lui, il est là. Mais pas au point de fer. C'est bien ce qui résiste pas au point de fer. On est tout près de la sortie ici déjà, mais en vrai, il faut qu'on soit sur les trucs comme ça pour enclencher l'ouverture de la porte, vous voyez. Donc, alors, on joue. Ça veut dire aussi qu'on va devoir aller là-dedans. Donc, ils ont chacun un destructeur. Vous allez voir comme je suis soumis. Bah, tu vas l'utiliser, ton destructeur, du coup. Ça, c'est fait. Pendant ce temps, la Bishop. Oui. Est-ce qu'il y aurait une porte sympathique à ouvrir, à part cette porte-là? Mais avec lui, on peut pas le foutre par terre. L'idéal. Tu vas venir là. Peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais le faire faire. Voilà, ça c'est fait. Si elle va là, est-ce qu'elle va se faire voir? Oui, parce qu'il y a les caméras d'enclencher. Là, ici. Ok. Donc, le but, ce serait d'aller ici, en fait, pour désenclencher les caméras. Peut-être pas faire activer ça, mais arriver ici... Ouais. C'est jamais forcément très simple. On peut y arriver, mais... Après, il y a un autre terminal ici. Et pour accéder... Bah, en fait, c'est là. D'accord. Et ici, il faut affronter ce mec. Il résiste pas au point de fer, ce qui est une bonne chose. Ah, il y a un truc ici. Parce que bon, on a le destructeur là. Je veux dire, on a encore deux, trois destructeurs. Donc je pourrais très bien envoyer le pro détruire ça. Ça c'est fait. Lui, logiquement, il le verra pas, donc je peux avancer. Je sais pas du tout si. C'est quoi le topo? C'est bon, ça! C'est bien, Bishop! Trop cool. Alors, il a accédé ici. Ce qui est une très bonne chose. Tu vas rechoper ça. Et il arrive dans le dos de lui. Regardez. À part le mec qui est là. Il pourrait faire passer ici, en fait. Voilà, et ouvrir la porte.
écoutez, on va essayer. Et puis j'ai complètement zappé le safe. Bah ouais, j'ai complètement zappé le safe. Parce qu'il faut mettre par terre un type. Je suis en train de réfléchir dans le sens où, parce que si après je libère celui-là et on n'a plus le couloir pour nous. Parce que lui il est assez chiant, il bouge partout et je peux pas l'enfermer quelque part. Donc je pourrais l'enfermer là. Avec un poète-poète qu'on a. On a deux poète-poète même. On se planque et puis on les bloque. Bon. Alors, du coup, j'en suis où ? J'en suis que Bishop, il est là. Mais c'est pas très... C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est vraiment pratique ? Je vais le faire revenir en arrière. Après. Pour revenir ici, pour prendre le safe. On va essayer de prendre le safe, ce sera déjà pas mal. Pendant ce temps-là... C'est parti. Oh, il y a le mec là. Lobkowitz. Tu peux revenir là quand même. Ça évitera de te faire griller. Parce que lui... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une mallette là. Ah. Celui... Ouais, il l'aurait vu quand même, donc... Voilà, maintenant tu peux sortir. Prendre les sous. Bishop. Au travail. Elle. Elle, faut que j'en fasse quelque chose. Je peux peut-être la foutre là. J'essaie de réfléchir parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Il me reste 7 minutes 30, donc ça va. On accède là. La porte, elle est bien. Hein. Je veux dire, la porte, elle est juste fermée. Faudrait que j'envoie quelqu'un. Bah elle, en vrai, elle pourrait aller se faufiler ici, tac tac, en fait. Donc non, tu vas venir là. Prêt. Allez, go. Et ouais, Lobco, ouais. Tu reviens là après, évidemment. Hein. Une serrure accrochée. Je devrais pouvoir passer. Toi, tu te prépares à venir là. En avant. Toi, du coup, t'as une clé pour porte d'acier. Tu vas me prendre ça. Tu vas venir là. Ah, ça, je l'ai pris les sous là-bas. Celui fait le tour comme ça. Mais il faudrait qu'au moment... C'est quoi qu'elle a comme... Porte de sécu ? Oh oui. Oh oui, ça veut dire que je vais pouvoir l'envoyer là. Il va falloir jouer avec lui qui tourne. Je suis en train de faire tout en même temps. Je vous avoue que je suis pas rassure. Toi. Le problème, c'est que dès qu'on libère lui, il va venir fureter partout, mais surtout, il va résonner. C'est pas grave, tu vas venir là. Et puis que j'ai Lobkowitz qui est là, quoi. Par sécu, je vais foutre Lobkowitz là, moi. Il y en a des partout, faut surtout pas que je l'oublie, elle. Là, lui, il refait un tour comme ça, et quand il repasse là, je la fais sortir de là. Je pourrais me la faire sortir déjà maintenant, en fait. Salut. Non. Complicado. Toi, t'es là? Et maintenant?
tu fous par terre. Au travail. C'est qui, toi? Bon bah tant pis. Hein. Ah, ça a fait monter, mais... En même temps... Oh, regardez! Un requin avec... avec des flingues! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attention. En avant. Elle... J'attends. Il y a tout en même temps, je vous dis. Tout. Lui, il va se relever. Oui. Oh. Quelle chance. Tu peux me défaire ça. Ok. Ok. Lui, il prend les sous. Lui, là. Il, a, il va là, là, là. Ok, donc il est complètement inoffensif. Bien fait. Tu peux prendre les semelles. Oui. Voilà. On a pris les sous. On a infiltré ici. Elle a pas de fourche et puis ça, à la limite, bah, elle va l'ouvrir là avec un interrupteur à bascule classique au classique. Lui, il s'en va. Et il fait deux pauses. Tu vas ressortir, cocotte. Oh. Tableau de distribution. Ouais, mais c'est pas grave. J'avais pas vu les sous. Il faudrait qu'elle arrive à passer dans le conduit, mais il y a lui. Lui reprend sa garde. Lui, il est toujours par terre. On a nos deux types qui sont là. On a encore deux trucs à libérer des caméras. Ici et ici. Ça peut le faire, ça peut le faire. Pour l'instant, je les laisse où ils sont les autres. Je vais m'occuper d'elles. En espérant juste... Je dois avoir juste le temps de passer. Ouais. C'est un jeu dangereux, mes enfants. C'est quoi ce truc au milieu? Ah, c'est le ballon. C'est un jeu dangereux. Ah là là. J'aime. Et encore, je suis même pas obligée d'ouvrir la porte parce que je vous rappelle qu'elles communiquent toutes. Maintenant, il faut juste enlever la cam de celle-ci. Attendez. Ah ouais. Ouais, parce que... Voilà, ça s'est relié. Elle, elle l'a plus. J'avais cru voir un truc d'aération. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, les trucs d'aération au final. Déjà, cette porte-là, j'aurais dû limite la fermer. Celui, s'il est là et qu'il nous voit, il faudra faire. Hein, voilà. Faudra faire sans qu'il nous voit. Alors là, elle est dedans. Maintenant, bah, il faudrait qu'elle sorte. En vrai, elle peut sortir par là. Elle peut se planquer là. Est-ce que surtout... Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'elle va pouvoir... Parce que là, c'est un peu plus, la plus près. Tac, tac, tac. Et elle va là. Ou est-ce qu'on se simplifie la chose? Ouais, oui, parce que j'ai les trois ici, donc je peux passer ici. Ok, on va faire ça.
cocotte, tu peux aller déjà là, je pense. Avec un peu de chance. Il est où le gros? Ah, lui est toujours enfermé et lui il est là, il va bientôt arriver. Donc c'est un peu chaud, ils sont là. Je peux envoyer l'Obkovitz ici. Ça c'est pas un sous-sail. Ouais. Une serrure à crocheter. Parce qu'en fait, il est pas encore arrivé, donc le temps qu'il... Ouais, mais il va regarder par là. Ouais, donc non. On va pas... Hein. Ouais, voilà, plus il les aurait vus, donc je pense que... Voilà. Ils sont tous les deux ici, bien en place. Cette porte-là, ouvre cette porte-là. Cette porte-là, ouvre cette porte-là. Et ferme celle-ci. Ah oui. Ah oui, c'est chiant. Et celle-ci ou cette porte-là qui mène là. Je dois juste désactiver ici. En vrai, j'avais dit que elle. Oh là là, je sais plus. Que m'étais-je dit? Ouais, bon, alors. On va essayer déjà de s'occuper de ça. Ah, mais il part par là! Mais c'est un vrai bonheur! Ok. Ouais. Et hop, vous barrez. Je devrais pouvoir passer. J'ai mes quatre petits protagonistes ici. Tiens, mets-toi là. Oui, ça s'ouvre. Il faut faire gaffe parce que lui, il voit tout. Hop. Et hop, je vais les envoyer là. Ça va barder. Toi, tu vas te planquer là. Alors, lui va se relever. Où va-t-il aller patrouiller? On sait pas. Ici, l'autre est en train de revenir, donc je ne peux rien faire pour l'instant. Ah, il va vouloir aller là, mais il y a son pote qui est dedans, qui est enfermé. J'espère que ça va pas pouvoir... Ça va pas faire... Je voyais genre, il va l'aider et tout, tu vois. Ce serait con, hein. Il me reste 4 minutes. Qui a fait ça? Ouais. Il va oublier, vous inquiétez pas. Bon, lui, il est parti. Ouais. Ok. Je suis prêt. Tu vas aller là. Vous allez voir comme je suis sous. Et toi aussi. Va bien. Ok, nous sommes en place, les enfants. Attention, lui va re-regarder là. Et dès qu'il sera parti par là, je vais envoyer. Bah, de toute façon, j'ai que lui qui est un destructeur. Et puis, ou alors on se met là hein, directement. Ce sera plus facile, je pense. Là, voilà. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on devrait le faire. Bon, on peut y aller quand même là. Au travail. Voilà. Vous y allez tous les deux, moi je dis pourquoi pas. Ah, vous savez pas à quel point c'est quand même un peu jouissif. Et il est juste marqué interrupteur à bascule. Hein. Ah non, interrupteur lourd. C'est lui qu'il faut aller chercher. Oh, fait chier. Ouais. Et maintenant. Est-ce que tu peux venir là? Oui.
Nikos, pareil. Ça va barder. C'est parti. Ok. J'aime bien ce système d'ouverture de porte et tout, ça c'est sympa. Ah, il y a une fourche Tesla. Bon, ne vous inquiétez pas. Rufus arrive en renfort. Dès qu'il peut. Parce que là, il faut faire attention. Il reste 3 minutes 40. Ouais, attends un petit peu. Vas-y. Ouais, attends aussi, par contre, parce que... Alors, un petit bloc-porte. Punaise. On a trop de choses sur nous, on peut même pas le prendre. C'est l'Obco qui a de la place sur lui. À moins que tu vas dropper une clé, c'est pas grave. Ouais. Et tu vas me prendre ça, plutôt. En fait, j'attends que lui soit parti parce que je crois que l'interrupteur il fait du bruit. Et je voudrais pas qu'on rameute un mec pour rien, quoi. Voilà. Et je pense qu'il l'aura entendu, donc... Oh, tu joues à la sécurité ! Ok ! Et enfin, on est bien. Ah ouais, on a ça. Tableau de distribution. Ici, il y a quoi ? Ah. Ouais, il y a un truc de ventilation ici, mais c'est pas très sympa. Alors, on a trouvé les trois trésors. Je regarde que maintenant, mais parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais maintenant, on va retourner là-dedans et on va activer toutes les portes. Sachant que le mec revient. Donc, c'est now or never. You know. Ouais. Une serrure à crocheter. Ouais. Et une bar mitzvah à organiser. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Oh la vache. Ok. Sachant qu'il y a lui aussi. Et il y a peut-être lui qui peut voir aussi. Donc il faudra faire... J'ai l'impression qu'ils vont tous être en même temps ou... Là j'ai les trois. Les trois menaces visuelles. Non, lui il regarde pas. Donc il y a que lui et lui. Je devrais pouvoir passer. Ok. Bien tu peux passer. Oui. Je sais pas, Rufus il va être plus près. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment. Parce que là il peut pas repasser. Là il faut qu'il fasse le tour par là. Donc c'est pas utile. C'est parti. Pour que les deux autres passent. C'est quoi le topo ? En avant. Ça va barder. Je les planque tous. Lui. Ouais, il arrive. Donc je suis obligée d'attendre. Ah non, j'ai à chaque fois... Bon, là, il n'y a que ici qu'il n'y a personne qui va nous voir. Mais là, j'ai un visuel, là, j'ai un visuel, là, j'ai un visuel. Il est parti. Oui. Je veux. Une serrure à crocheter. Normalement, ça devrait être nickel. Ok. Tu vas bien ? Je vais tous les mettre. Et maintenant ? C'est quoi le topo ? Oh, j'espère que ça va être bon pour le timing ici. Et cette porte est ouverte, les enfants. Lui, il peut plus sortir par là. Faut que je réfléchisse quel est le plus simple. J'ai l'impression même que ce serait par ici. Parce que lui, ne pouvons plus sortir par là... Il rejoint Bishop, avec Bishop, il passe par là. Ouais, parce que après son tour de garde à lui, il est chiant parce qu'il voit bien quand même
Quand il est là, il voit bien ce qui se passe là. Il faudrait le pranker, ou alors ici. Ici, c'est un peu chaud. Oh bah oui, bah maintenant, oui, hein. Faut se décider pour savoir dans quel... ce qu'ici, bon bah ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Mais non, par là. C'est nickel. Donc si par là c'est nickel, il faut qu'on rejoigne tous l'entrée. À moins que ça, ça se réouvre après. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est enclenché, donc maintenant j'ai plus à bouger. Donc je me décide vite parce que tant que les portes sont ouvertes, ils ont tous le temps de passer, mais... parce que par là, tac tac tac, donc oui. Il faut qu'ils... Allez, on va les faire tous rejoindre. Tu vas venir là. Technico Spy. Au travail. C'est parti. Hey oh, oh non. Putain, barrez-vous. Oh là là là, il va venir là. Vous allez voir. Hey. Tout va bien. Go. Un pour tous, tous pour un. Oh. Ce stress. Alors, hop. Mais non, pas par là, coconne. Alors, tu vas pas nous faire avoir. Tu vas passer par les douches, non, comme tout le monde. Ouais. Parce que les douches, c'est trop cool. Voilà. Lui, il est là. J'ai 1 minute 30 pour traverser cette pièce, désactiver ça. Après, on s'en fout. Il le fera, machin, et partir. Oh là là, je suis même pas sûre que je vais y arriver, hein. Parce que lui, son tour de garde, il est chaud patate aussi. Hein. Je veux. C'est parti. Ça va barder. Une serrure à crocheter. Ok. Tout va bien? En avant. Et maintenant? Parce que lui, il résiste à tout. Alors, il va faire deux fois le tour. Je pense pas qu'on ait le temps de se planquer. C'est seulement quand il fera son deuxième tour que je pourrai les faire sortir. En attendant. Salut. Faire gagner du temps. Si on peut parler de ça, bon, ça va être juste. Hein, là. Je pense que je suis bien, mais faut juste pas que ça tombe mal avec ce garde-là, parce que s'il est pile à ce moment-là, je suis dans les choux et j'ai perdu la mission. Mais bon, on va essayer de se concentrer. Attention. C'est parti, mon kiki. Technico Spy. Vaste. Au travail. Regardez-les en randonnion, comme ils sont mignons. Oh, il va partir tout juste, lui. Faut qu'on le suive, ses pas. C'est parti. Il me reste tellement peu de temps. Je suis prêt. Bien reçu. Vaste.
serrure à crocheter. Vous allez voir comme je suis souple. Tout va bien? Et puis il manque. Oui, je. En avant. En avant. Ouais. Oui. Comme ils sont mignons. Lui, il aura tout juste fini son truc. Il va partir par là. On pourra déconnecter. On pourra se barrer. 48 secondes. Je vais jamais y arriver. Là, ça y est. Le stress, parce qu'en fait, on joue, mais on oublie que c'est chronométré, quoi. Allez, on se casse. Oui. Technicos, pareil. Et maintenant, c'est quoi le topo? On se casse. Putain. C'est parti. Salut. Bien reçu. Oui. Motherfucker of God. Je devrais pouvoir passer. Oh oh. Les enfants. Je crois qu'on... Tu vas bien ? Je crois qu'on est bien là. Ah, il reste 25 secondes! Oh, 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 oh. Yes! Non! Il ne reste plus qu'à ouvrir le sas. Le blanc-fiche doit pouvoir apporter. Vite! Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais votre résistance est futile. Rendez-vous! Oh, et bon j'en sang. Épargnerai peut-être un ou deux. On est encore sur... un truc chronométré, je n'en puis plus. Et bien ça, en tout cas, ce sera pour la prochaine fois. Oh, chez Moignon. Oh là là, et puis il a l'air... Ouais, non, il faut aller au quai pour retourner au Blowfish, je suis d'accord. En vrai, ça a l'air simple, c'est une ligne droite, comme d'habitude. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. J'espère en tout cas que cet épisode de Crocs vous aura plu. Moi, j'ai kiffé, hein. À 25 secondes, je suis trop contente, putain. Parce que c'est la première essai, première fois, alors que les autres trucs chronométrés, vous vous souvenez, ça a été l'enfer. Bref, moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like, un comme surtout, hein, que je sache qui regarde et tout ça. À vous abonner, à partager la chaîne, etc. Des très, très gros bisous à vous. À très bientôt. Ciao.